Salut, c'est Florent, le Mindful Coach. Écoute, si tu es en train d'écouter cette vidéo, c'est que tu as le désir profond de vouloir prendre soin de ton attention. Donc, bravo pour ça. Tu peux te féliciter de vouloir augmenter ta capacité à te concentrer. Donc vraiment bravo. Méditer est une chose très simple, est une pratique vraiment simple. La première chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois avoir une posture qui empêche l'endormissement. Donc, tu dois avoir le dos droit. Ok ? Ensuite, tu peux fermer tes yeux ou les garder ouverts. Et vraiment, le but de la méditation, c'est de se concentrer sur une cible mouvante ou vraiment un point de repère qui bouge et te concentrer sur cela. Et dès l'instant que tu vas te rendre compte que ton attention s'est échappée, tu vas le ramener sur ta respiration. Le but de la méditation n'est pas de rester le plus longtemps possible concentré sur ta méditation, mais le but, c'est vraiment d'observer ton attention qui est comme un singe qui saute de branche en branche. Et dès l'instant que tu remarques que ton attention s'est échappée à des pensées, à autre chose, tu penses à autre chose, c'est normal. Dès l'instant que tu remarques ça, tu ramènes ton attention à la respiration. C'est ce va-et-vient entre le vagabondage mental et finalement la concentration sur ta respiration qui va muscler ta concentration. Finalement, quand tu es en cours, c'est pareil. Un prof, lorsqu'il parle, ça ne va plus t'intéresser et ton esprit va aller ailleurs. C'est tout à fait normal. Mais dès l'instant que tu te rends compte que ton esprit s'est échappé, hop, je ne suis plus mon cours, hop, je me suis échappé, je n'arrive plus à suivre, tu te ramènes vers ce que dit le professeur. C'est exactement pareil. Dès l'instant que donc, tu vas méditer, tu vas muscler ton attention, qui est vraiment comme un singe fou qui saute de branche en branche. Et les branches représentent tes pensées. Donc maintenant, nous allons passer à la pratique. Et donc, pour cela, je te souhaite une bonne méditation. Prends le temps donc de t'isoler dans un endroit calme et t'asseoir sur une chaise ou bien tu peux être en tailleur sur un coussin, les jambes croisées. Pose tes mains sur tes cuisses. Et ferme les yeux. Essaye juste de visualiser ton corps qui est en train de méditer dans la pièce où tu es. Prends du recul sur toi. Et essaye de te voir en train de méditer. Maintenant, tu peux prendre trois grandes respirations. Essaye de ralentir ta respiration chaque fois que tu respires. Le fait de ralentir ta respiration va ralentir tes pensées. Et maintenant, tu vas te concentrer sur l'endroit où tu ressens le plus ta respiration. Ça peut être dans tes narines, où tu sens l'air frais qui entre et l'air chaud qui sort, ou bien ton ventre qui se gonfle, qui se dégonfle, ou bien ta cage thoracique. Essaye de te concentrer sur ce va-et-vient de la respiration. Si ton attention a décroché la cible mouvante qui est ta respiration, ramène-la tranquillement. C'est tout à fait normal que tu penses à autre chose.
et ramène-la sur ce va-et-vient de la respiration. Pour t'aider à te concentrer sur ta respiration, tu peux essayer de compter ton inspire et ton expire. Donc, à chaque inspire, 1, chaque expire, 2, inspire, 3, expire, 4. Et cela jusqu'à 10. Et quand tu es arrivé à 10, tu peux recommencer et repartir de 0. Encore une fois, si tu remarques que ton attention s'est échappée, c'est tout à fait normal. Juste ramène ton attention sur ta respiration. Avant de terminer la méditation, tu peux te concentrer sur les bruits qui t'entourent en les accueillant comme si c'était la première fois que tu les entendais. En les qualifiant d'agréables ou désagréables, de diffus. Discontinue, essaye de les observer avec curiosité. Lorsque tu seras prêt, prête, tu pourras ouvrir les yeux et revenir à l'espace qui t'entoure, t'étirer si tu en as besoin, et te féliciter d'avoir fais cette première méditation avec moi. Si tu répètes sans cesse cette méditation, tu vas pouvoir petit à petit mieux te concentrer, mieux être présent à toi-même, mieux être présent, présente aux autres. Donc bravo d'avoir médité avec moi. Je te dis à la prochaine.